On prononce F, l'Afrique, F, chef comme le A, A, Q, Q, baby, baby. Écoute dans mon beat, on entend bim, 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 bim. Ça la fait boum, boum, comme le beat. Quand dans la fond, j'entends des balafons, bref, c'est bizarre ce son. Maintenant, il y a des sang partout, comme dit ce son. La chair, la guerre, RTCC. Utilise ton sang, parle-moi, ou bien parle-moi, c'est. Adoune djogo danou le werdina ko ndax ku yag danou tam 1985 ba legui meunu ñu am dam. On habite avec un cœur plein dans un monde vide et sans avoir usé de rien. On est des abusés de tout, tout ce qui était n'est plus, tout ce qui sera n'est pas encore. Moi ce que j'ai entendu en premier c'était la clandestinité des Africains qui veulent en fait voyager, qui veulent sortir de ce quotidien là qui devient de plus en plus difficile. En quelque sorte, il a parlé de harakiri, en fait, de la société africaine. Quand je dis harakiri, c'est tout simplement pour dire que aujourd'hui, tu as plein de jeunes qui sont prêts, en fait, qui sont prêts à se donner, entre guillemets, à se donner la mort. Mais voilà, c'est pas vain. C'est un sacrifice qu'ils font. En chacun de nous, il y a deux personnages. Il y a un personnage qui te pousse à te suicider, mais il y a un autre, lui, qui est fort, qui croit à cet espoir. C'est Ibrahim qui se suicide dans le son, mais pas Ibsen. Parce qu'à Dakar, les gens sont des fois un peu plus portés vers le son urbain, mais qui sonnent des fois new-yorkais, ou bien qui sonnent un peu comme de la Dirty South ou du son qui vient d'L.A. Mais avec lui, c'était un peu plus électro et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une démarche qui manque beaucoup dans la musique hip-hop au Sénégal. J'ai créé un nouveau genre qui s'appelle la littérature. Je vois que le rap est un genre comme la poésie, comme le théâtre. L'apex de la langue vibre comme une bombe sur les alvéoles. Engageons-nous comme des soldats. A, degré d'aperture 4, le canal buccal est grandement ouvert. Parlons donc. P, le canal vocal est momentanément fermé. L'air est arrêté plus brusquement libéré. Libérons-nous. Le rap n'est point une musique de la rue, mais de l'esprit. Oh, his, Ibsen. Oh, his, Ibsen. Les génies ici en Afrique, on l'appelle rap. Dans 300 à l'heure, il y a deux phases. Il y a une phase physique et une phase morale. C'est un gars qui court, mais qui court à travers un papier. Tout bon, les années qu'il a parcourues se trouvent sur le papier. Aujourd'hui, avec son album, on peut comprendre que justement, ça ne va pas dans les sociétés africaines, mais lui, c'est quelqu'un qui incarne, je veux dire, les solutions. En donnant le titre de demain à son album, ça veut dire que voilà, on a un avenir. C'est pas seulement de la musique, mais de l'écriture. Je me bats pour que le rap devienne un genre littéraire. Et il a vraiment de l'avenir, quoi. Et avec le littérap, je pense qu'il faut s'attendre à un gros mouvement. Le rap comme musique de la rue est une métaphore de la raison. La rue est vaste et grande comme la pensée qui n'a pas de limite. Allez,